le design thinking, c'est avant tout une posture, avant même d'être une méthodologie, qui consiste à recentrer l'usager au cœur du processus, que ce soit un processus de conception, d'entreprise, tout simplement de développement d'un produit, d'un service ou d'une procédure. Alors, la spécificité de ce design thinking, c'est surtout de repositionner donc une approche empathique dès les phases amont du projet, c'est-à-dire de vraiment interroger les besoins, les énervements, les frictions que vit l'usager au quotidien, et finalement de vraiment s'interroger continuellement avec lui et avec son accord et son expertise sur ce qu'il vit au quotidien et comment tout ça peut devenir un terreau fertile pour une démarche créative de développement de services, de produits ou de solutions adaptées. Cette approche empathique, elle est essentiellement d'abord centrée sur l'observation in situ. Il est vraiment indispensable pour la mise en œuvre de cette démarche empathique de s'interroger sur ce que l'usager vit dans son environnement quotidien. Donc il est souvent beaucoup plus pauvre d'extraire l'usager de son environnement. Il est aussi beaucoup plus pauvre de se limiter à une approche vraiment verbale des habitudes ou des activités de cet usager. Il vaut mieux vraiment, ça c'est vraiment important, il vaut mieux aller voir l'usager dans son environnement, son écosystème réel pour le suivre au quotidien dans ses activités, qu'elles soient privées ou professionnelles. Il y a plusieurs projets entre la prévention des chutes, l'analyse du comportement et la prévention des douleurs. Et ce qui est vraiment central, c'est le fait de s'immerger et de rentrer en empathie avec les patients. En fait, il ne faut pas faire avec notre connaissance de soignant ou notre connaissance d'entrepreneur sur un produit. Je pense que ce qui est capital, c'est de s'ouvrir à une connaissance qu'on n'a pas, et cette connaissance, elle est chez le patient, elle est chez l'utilisateur. Je fais appel à un service de design qui me permet d'organiser des rencontres et aussi d'avoir un point de comparaison, une capacité de discussion qui n'est pas dans mon domaine professionnel. Et je pense que c'est intéressant de mixer les approches, les points de vue. Moi, je peux avoir mon point de vue d'infirmier. C'est important de le confronter à un point de vue qui n'est pas médical, un point de vue alors de l'utilisateur ou d'un designer de service. Living Labs in Wallonia, en fait, regroupe les Living Labs déployés en Wallonie. Un Living Lab étant une nouvelle manière, une nouvelle approche d'innovation où on place l'usager non plus comme un simple objet d'investigation, mais comme un sujet, donc un acteur clé du processus d'innovation.